Alors l'exploration, ça dure 48 heures. C'est un week-end où les gens viennent pour redonner du sens à leur carrière. Les participants de l'exploration, c'est vraiment tout le monde. Dès lors qu'on a envie de devenir acteur du changement et quelle que soit la forme qu'on a envie que ça prenne. Alors dans une exploration, en fait, il y a trois phases clés. Une première phase qui est l'introspection. Évidemment, toutes les personnes qui viennent ici, elles ont besoin d'apprendre à mieux se connaître, savoir qui elles sont pour savoir comment elles peuvent s'engager. Il y a des temps d'inspiration aux côtés de pionniers qui nous partagent leur expérience d'entrepreneurs, d'intrapreneurs, comment ils font pour avoir, eux, un job qui a du sens. Et la troisième phase, c'est le passage à l'action. Comment on amène les participants à agir, donc du coup concrètement, juste après l'exploration. Venir avec beaucoup de questions, avec des idées, et c'est en parlant avec d'autres personnes qui ont soit les mêmes, soit s'interrogent sur des thématiques différentes, mais ont les mêmes valeurs, qu'on peut peut-être le plus avancer, trouver le plus de courage. On se sent vraiment comme un groupe et pas seul, et j'ai bien le sentiment que ce groupe il va durer encore longtemps et qu'on va se revoir, et ça je trouve que c'est vraiment un bon appui pour réaliser un projet. Et ce format en fait c'est tout un condensé de la méthodologie de Ticket for Change pour permettre à chaque individu de se poser les bonnes questions et de se poser les bonnes questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et surtout pourquoi je veux le faire. Des événements comme ça, c'est un peu l'occasion de se poser, de sortir de soi, d'être un peu en suspens et se dire bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire et au final comment j'active tout ça.